Je vais vous donner mon opinion personnelle. Les poches. Je vais vous donner mon opinion personnelle. Faites pas confiance à une petite poche mince qui, à la première manipulation sérieuse, vous explose en face. Prenez une poche de qualité pour faire vos fleurs. Alors, c'est pas compliqué. Vous remarquez qu'en avant, il y a des trous. Alors, on remplit ça un peu de terre, comme ceci. Juste le fond. On met juste le fond de terre. Un coup qu'on a dépassé le stade du deux trous d'en bas, nous venons insérer les petites plantes dans le dit trou, comme ceci. On remet un petit peu de terre, comme cela. Et là, d'un mouvement sec et précis, on discoule la poche. C'est le même mouvement, mesdames, que quand on met une brassière de passer 50 ans, le petit coup sec pour faire rentrer les choses. Alors, on continue. On en remet, on en remet, on en remet. Et quand on arrive au stade des deux trous, encore la même chose. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Et je vous refais le coup. Le petit coup sec de la brassière. Un coup que c'est tout plein qu'on a mis en haut. On arrose, bien sûr. Et là, il y en a qui font l'erreur suivante. Ils disent, mon Dieu, ça donne bien la tenue, cette histoire-là. M'a fait des trous en arrière. M'a mis tout le temps en arrière. Mais non, c'est parce que ça, ça va au mur. Hein? Ils vont chercher le mur. Ça ne marche pas. Deuxièmement, ça va faire trop pour la quantité de terre qu'il y a là-dedans. Hein? Vous n'avez jamais mis une culotte gaine, ceux qui veulent faire ça? C'est très énervant, ça sent terriblement. Et au moins, dans la culotte gaine, le bourrelet peut monter plus haut, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant, pour ce qui est de l'arrosage. Messieurs, vous dites qu'on vous parle pas assez, qu'on parle juste aux... Madame, on va vous parler. Durant l'été, votre femme va vous demander d'arroser la poche. Là, vous allez tenter d'arroser de même. Tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau. Mais souvent, vous vous tenez, et puis là, vous dites, ah non, mince, celle d'en bas n'a pas eu! Elle ne montera jamais dans la sphère sociale. Elle va toujours rester en bas, c'est le mec que ça marche. Alors, rentrez-vous le doigt dans le trou, messieurs. Et tant et aussi longtemps que vous ne sentez pas de l'humidité, vous continuez le principe d'y jouer en haut. C'est pas compliqué, c'est comme autre chose. Une autre chose. Si vous vous découragez à vous rentrer le doigt dans le trou tous les matins, regardez bien ceci, je l'appelle la technique du glou-glou. Alors, on va prendre une poche qui est faite ici. Vous prenez votre poche, vous la sacrez toute entière dans une chaudière pleine d'eau. Et là, elle va faire... C'est la technique du glou-glou. Allez vous raser, allez prendre votre café, et quand vous ressortez, vous l'accrochez tout simplement. Elle va être arrosée pour deux jours. Là-dessus, dites-vous une chose. Si vous faites ça, messieurs, il y a un proverbe au Salima qui dit « Femme heureuse, homme comblé ». Ici Marc Lavardière et Marie-Christine Dessert-Lima.